Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Donc aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc on va se faire la Mercedes A45 S AMG. Donc le Ford Formatic Plus, 421 chevaux, c'est le modèle W177. Qu'on va voir plusieurs détails. La Mercedes A45 S AMG. Donc là, on a bien l'année sur ZPRF, hein, donc c'est le site où je vais toujours. Parce que je suis sûr que c'est des bonnes informations. Voilà. 421 chevaux, hein, c'est bien ce qu'on avait dit. Donc 500 Nm de couple maximum. De 5000 à 5250 tours minute. Qu'est-ce qu'on a? Transmission intégrale permanente plus autobloquant. Boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel double embrayage. Frein à bord disque ventilé percé acier en 360 mm avec un étrier fixe 6 pistons. L'arrière disque ventilé percé avec étrier flottant monopiston. Un peu dommage pour l'arrière, mais ça reste toujours efficace. Le poids annoncé 1560 kg. Donc en charge, on est à tous les fluides 1750 kg. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Consommation mixte normalisée, donc c'est-à-dire en centre-ville, 8,3 litres au 100. En mode sportif, 16 litres A au 100. Donc on a doublé quasiment la conso. En émission de CO2, on a 189 grammes par kilomètre. 31 chevaux fiscaux et année de lancement 2019. C'est plutôt pas mal. Donc le prix. On est à 69 700 euros, ce qui reste plutôt raisonnable, hein, parce que c'est une belle voiture. Donc là, on est sur les occasions, là, donc là, on est occasion en Allemagne. Hein. Donc, j'ai essayé de trouver une A45S AMG, alors je n'ai pas trouvé, je trouve que l'ancien modèle. Donc on voit ici 2013, 2017, 2015, 2017, peut-être celle-là. Non plus, 387 chevaux. Donc on voit que c'est pas le bon modèle. On voyait un peu les prix, déjà 34 480 en import de 2017. Donc je pense que la 45S a pas baissé énormément. On va se voir une petite axelle pour voir un peu, pour le plaisir des yeux et des oreilles. Quelques petites photos pour voir un peu. Alors, la couleur jaune, chacun ses goûts. Moi perso, je préfère sur les Allemandes du noir ou le gris anthracite. Évidemment, en drift avec une voiture comme ça, ça doit être pas mal. Donc ce modèle est sorti en début 2019. Hein. Lancement en début 2019. Voilà. Intérieur, enfin l'intérieur. Voilà, bon, ça reste plutôt moderne. Et ça assume la marque, hein, c'est toujours à peu près dans ce style, plutôt bien fait, bien fini et spacieux. Volant en Alcantara, voilà. Le cockpit, il est pas mal.
Voilà, modèle sport. Donc on a le modèle confort, sport, sport plus, race et encore d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu la faire courte pour pas développer pendant des heures et des heures. De toute façon, si c'est trop long, personne ne suit. Alors, si vous avez des autres idées, laissez en commentaire. Ça ferait super plaisir de les faire. Allez, salut!